C'était bon pour, c'était le sport qui est passé, je vais tout réussir, mais le sport... D'accord, et donc tu vas repasser le sport là, prochainement, ou tu vas repasser ? Normalement, en novembre. Là, j'ai ma mamie, les gendarmes spécialistes de haute montagne, les gendarmes mobiles. Les gendarmes mobiles, tout à fait. Il y a les pigènes, l'escadron parachutiste, les gendarmes. Alors, c'est pas une unité... Comment vous avez dit ? L'épigène. Ah, mais elle n'existe plus, elle était dissoute, tout est regroupé sous le GIG. J'espère que Alors, vous avez eu un petit aperçu des différentes missions de la gendarmerie et des spécialités qui existent chez nous. Bon, on peut le dire que j'ai vu l'affluence du centre de gendarmerie. Parle-moi un petit peu, Stéphane. Effectivement, il est vrai que la gendarmerie attire beaucoup de jeunes et ce n'est pas plus mal. Ils sont justement attirés par ce métier-là et ils sont très très curieux et c'est un plus pour nous d'avoir ce genre de visiteurs justement. Nous sommes là pour les accompagner, leur donner la possibilité d'effectuer une carrière chez nous et qui, comme vous le savez, peut être très très intéressante, enrichissante. Et au vu des événements qui se sont passés ces derniers temps, il est vrai que la gendarmerie a été mise à l'honneur aussi bien par les médias télévisuels et autres moyens d'information. Et cela nous a fait quelque part une publicité qui maintenant est à nous de pouvoir justement essayer de la développer. Une prise de conscience, une prise de conscience des jeunes, tout à fait, puisque lorsque on leur demande quelles sont leurs motivations pour rentrer chez nous et qu'on les entend dire c'est pour justement défendre le territoire, le pays, c'est vrai que c'est surprenant et c'est tant mieux d'ailleurs. Et à partir de là, c'est ce qu'on disait avec nos collègues policiers, puisqu'ils recrutent également dans la police, dans l'armée, dans toutes les institutions, ce n'est pas plus mal. Mais il est vrai que la gendarmerie a une place de choix, je pense, parmi les jeunes qui souhaitent rentrer chez nous. Alors après, à savoir pour quelles raisons, ça doit être l'uniforme, le prestige de l'uniforme, je pense. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent, qu'on te pose ? Les questions que nous nous posons le plus souvent, donc c'est la formation, comment cela se passe. Quelles sont les écoles où sont formés les gendarmes, quelles sont les unités dans lesquelles ils peuvent rentrer et quelles sont les compétences à avoir pour rentrer chez nous en gendarmerie. Et c'est ce qu'on leur dit au niveau des compétences. On ne demande aucune compétence particulière puisque c'est la gendarmerie qui forme ses propres gendarmes. Donc à partir de là, celui qui n'a aucune compétence peut faire une carrière chez nous sans aucun problème. Au niveau salaire, il parle des salaires, non ? Oui, il demande le salaire, bien entendu. C'est une question qui intéresse toujours les jeunes au niveau du salaire. Et donc, pour un célibataire en sortie d'école, c'est 1700, 1800 euros. Donc, ce n'est pas négligeable. À savoir qu'on est logé par nécessité absolue de service. Donc, nous habitons en caserne, on ne paye pas de loyer. Et qu'après, c'est suivant la situation familiale. Je cherche la situation familiale, forcément, le salaire évolue.